Hop là, vous êtes toujours avec le Great Wall of Fu, mais là je vais me la tenter sur la machine à sous Laughing Buddha. Donc les machines à sous, c'est un petit peu comme ça, c'est très réaliste. Et soit on gagne les 3 sets, c'est-à-dire le jackpot, ou soit il y a les 3 races, c'est-à-dire on se fait plumer. Hop, donc ça, je trouve quand même que c'est une image assez réaliste qui représente bien les machines à sous. Alors, est-ce qu'on va voir les 3 sets ou les 3 rats? Telle est la question. Donc, 70 balles, on va pas abuser. Allez, 28, ça ira. Celui-là, c'est un jeu assez récent, assez nouveau, donc je l'avais testé quelques fois. Malheureusement, j'ai pas été très chanceux avec. Espérons que cette fois-ci, on puisse avoir de la chance. Alors, un petit bail feature à 28 balles, ça coûte combien? 1300 balles. No thank you. De gagner des bonus sur le jeu de base sans passer par la case option d'achat immédiat. Bon, apparemment, comme sur l'image que je vous ai montré en début de partie, on n'a pas les 3 sets, c'est plutôt les 3 rages enfin, jusqu'à présent. Alors x2 x2. Le numéro 3, si on pouvait l'avoir, non. Alors un petit 400 balles, un big win à combien combien? 430, ok. Alors, j'ai vu du 750 balles passer, il me semblait en avoir vu 2. On va laisser le suspense, 2 ça fait 1500 balles. Peut-être que j'ai zappé, il y en a peut-être un troisième, il me semble bien en avoir vu que 2. Alors la réponse... Eh ben non, il y en a un peu... Eh ben non, 1650 avec un petit win à côté. Alors, 8003, on est pas mal pour le moment. Commence à 7016. Hein, du coup, vu qu'on a gagné, 1400 et quelques balles. Alors, on va se tenter l'option d'achat immédiat. On va cramer 1300 balles. C'est des mises à 28. Allez, go. Non, je me suis trompé. C'est là que je fallait que je clique. Allez, 1300 balles, on va voir dans la case win si on a un montant supérieur ou inférieur. Symbole expansif, ça c'est du high symbol mais il sort pas très souvent. Alors on va plutôt prendre le A, l'As. Symbole qui paye moins que les autres mais qui est plus présent, enfin en théorie. L'impression que je me fais escroquer. Sans déconner, ça aurait payé que dalle que le win du jeu de base. Ah bah quand même, il était temps. Dommage pour le dernier rouleau. Alors 75 balles multipliées par je ne sais pas combien de lignes de paiement. Est-ce qu'on va dépasser les 1300 balles du prix d'achat? Eh bah quand même, on les dépasse. Bah il était temps. Super méga shot win en string, 2100 balles, 2148, et il nous reste une free game. C'est le retrigger, c'est l'embelli. Il fallait quand même pas rêver. Eh bah 2148, bah du coup je pense que ça vaut le coup de la retenter. Enfin tout dépend ce que ça va payer ou... On va peut-être, ça va peut-être être le dernier achat. Alors, Ice Symbol, celui-là il rack mais il sort pas souvent. Alors, on va
va essayer celui-là. C'est peut-être une erreur. J'ai peut-être dû prendre les autres symboles, mais bon, on va voir. Plus les symboles payent, moins ils sont censés sortir. Ah, 4 4 4 4. Alors 100 balles tout à l'heure, là c'est payé 75, là c'est 100. Eh ben c'est pas mal, l'option d'achat immédiat de bonus. À deux reprises on a réussi à se sentir gagnant. Alors combien à cash total? 2 3 4 5. 2800 balles, bah ouais, c'est bien, c'est intéressant. Là, de reprise, on a gagné plus que le coût du prix d'achat. Alors, si on pourrait faire une deuxième, dernière free game. Alors, on a quand même gagné pas mal, 2828. Alors, balance à 5 chiffres. Voyons voir. Bon, on s'en tentait quand même un petit dernier avec ce qu'on a gagné. Là on a eu deux rounds de free game payant, le troisième ça va pas être garanti qu'il paye, mais bon on sait jamais. Alors le Big Buddha, oulas, lequel? Alors on va essayer le Big Buddha tant qu'on y est. J'aurais peut-être dû prendre l'as, il est censé sortir plus souvent, mais bon on va voir quand même. C'est intéressant de gagner le retrigger vu qu'on a le symbole qui sort pas très souvent. Eh ben on va pas se gagner de win. Eh ben non, comme quoi j'aurais pas dû choisir le Big Buddha. Là on a la ramasse par rapport au prix d'achat, 1300 balles d'achat, 203 de win. Ah, voyons voir. Alors 9007, voilà, on se fait encore un petit essai. Bon, par contre, je vais plutôt prendre du low symbole que du high symbole. 10, bon, on va reprendre celui-là, on va réussir celui-là. Ou alors on a Mister Dragon. Allez, donc go pour celui-là. Quatrième option d'achat immédiat de bonus. On a eu deux gagnants, un perdant, on va voir pour celui-là. Heureusement qu'on a eu le wild. C'est pas énorme niveau win, on est très loin du prix d'achat. Il nous reste deux free games. Eh ben non, là c'est le casino qui gagne, donc deux rounds gagnants, deux gagnants, deux rounds perdants. Alors 8592, barré de partie directe, on verra pour les prochaines. Eh ben quand même c'est dommage, les deux premiers rounds c'était pas mal, mais par la suite, enfin c'est le retournement de situation.